Bonsoir à tous, nous voilà réunis pour une nouvelle édition spéciale après cette terrible nuit de vendredi où Paris a été meurtri, ensanglanté par la violence aveugle du terrorisme. Nous avons choisi de débuter cette émission avec le glas de la cathédrale Notre-Dame que vous entendez, le glas de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a résonné pendant 15 minutes à l'unisson de toutes les églises dans la capitale et de nombreuses dans le pays à 18h15 ce soir avant la messe pour les victimes et leurs proches, pour le pays, une messe présidée par le cardinal André Vingt-Trois, en présence des autorités civiles et de responsables religieux. Sur ce plateau, nous retrouverons dans un instant le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, pour aborder sans irénisme la question de la coexistence avec l'islam. Le président de l'Académie catholique de France, le père Philippe Capelle-Dumont, nous rejoindra également pour réfléchir à la nature de la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Car au cours de cette émission, nous chercherons à comprendre comment notre pays peut surmonter cette épreuve, notre pays placé sous le régime de l'état d'urgence, probablement pendant 3 mois. Quel combat cela implique-t-il, puisque l'on parle de guerre? Nous sommes accompagnés tout au long de cette émission par Monseigneur Luc Ravel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes évêque aux armées. Nous vivons 3 jours de deuil national. Peut-être on peut revenir d'ailleurs sur cette notion de deuil, ce que cela peut signifier, comment le vivre. On voyait tout à l'heure ces images à Notre-Dame de Paris. Deuil et national, je crois qu'il faut tenir ensemble les deux mots. Même s'il n'y a pas une signification juridique très particulière, même si ça va correspondre à des drapeaux mis en berne, etc., je crois que chacun personnellement et collectivement, nous avons à vivre ce deuil. Tout à l'heure, je n'étais pas à la messe à Notre-Dame de Paris et j'étais en train de prier, tout simplement. Et une amie qui me téléphone en me disant « ça y est, Père Luc, c'est mon prénom, ça recommence, ça recommence ». Elle était au-dessus, au 7e étage, juste au-dessus d'un des lieux où il y a eu les attentats. Il y a eu un moment de panique terrifiant, il y a quelques dizaines de minutes. Et voilà, elle était en train de pleurer son fils. Cette nuit de vendredi que vous avez rappelé, n'est-ce pas, était rentré 3 minutes avant. C'est-à-dire, il posait son manteau quand la fusillade a éclaté. Nous sommes donc, d'une certaine façon, sous une émotion très très profonde. Alors, un deuil, c'est d'accepter cette émotion, premièrement. Si nous sommes croyants, eh bien, nous la plaçons, cette émotion, devant le Seigneur, mais nous pleurons. Je pense fortement, tout à l'heure en priant, au Christ qui pleure la mort de Lazare. Et nous tous, Parisiens et non-Parisiens, cet acte de guerre a complètement changé d'échelle notre proximité avec les victimes. Je pense au mois de janvier, c'était déjà terrible, bien entendu. Mais aujourd'hui, les chiffres, j'ai été réveillé samedi matin par un coup de téléphone de ma nièce qui me dit « Où es-tu? Que se passe-t-il » C'est elle qui m'a appris, je m'étais couché un petit peu plus tôt vendredi soir, qui m'a appris ce qui s'est passé. Donc, et tout de suite, on se soucie des amis. Donc on a tous, et on ne le sait peut-être pas encore, un proche ou un ami d'amis. Nous sommes tous concernés déjà directement. Et puis, c'est un deuil. C'est-à-dire que ce qui se passe et qui touche directement quelques-uns doit nous toucher, nous pénétrer. Ça peut être par l'incompréhension, ça peut être par la peur, ça peut être par l'angoisse, c'est très anxiogène, tout ce que nous rapportent nos médias, nécessaires mais anxiogènes. Ça peut être par la prière, ça peut être par les pleurs, par la tristesse, par tout ce que nous rencontrons déjà, nous autres, comme curés, dans des obsèques classiques. On voit ces gens, surtout sur une mort impréparée ou subite. Bon, c'est autre chose, notre vieille grand-mère qui s'est longuement a souffert. Donc, il y a cet aspect de deuil qui doit être fortement marqué en nous. On doit laisser se vider quelque chose de notre cœur. Mais justement, c'est peut-être plus difficile de faire un deuil. Il y a tous ceux qui sont concernés, vous l'avez dit, en premier plan. Pour ceux qui sont plus lointains, de faire un deuil sans qu'il y ait ce rapport un peu charnel, ce rapport à la mort aussi, hein, très direct. Alors c'est vrai que, et là je suis mal placé pour en parler, parce que je suis parisien et j'ai vécu ce week-end à Paris, et à Paris ça se palpe. On n'a même pas besoin d'avoir une angoisse encore, hein, j'ai eu, hein, encore une fois, j'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai plein d'amis sur Paris. Mais passer ce manque de savoir est-ce que s'il est atteint, pas atteint, à Paris ça se palpe. Et rebelote ce soir avec ce mouvement de panique à la République, on s'est dit ah non, ça recommence. Alors évidemment, pour nos auditeurs qui sont peut-être plus loin, Il va falloir qu'ils rentrent dans une démarche de proximité de cœur qu'implique le mot national. Qu'est-ce qu'un deuil national, précisément? Un deuil national, ça veut dire que ce n'est pas simplement les proches, ceux qui sont directement concernés, c'est l'intégralité de la nation, France en l'occurrence, et peut-être même par toutes les nations amies qui vont pleurer avec nous. Avec la conscience que ce n'est pas simplement, comme l'a rappelé le pape dans son Angélus ce matin, des centaines de personnes qui sont victimes directes, sans parler de tous les traumatisés qui ont vu les scènes. Je pourrais vous raconter au cours de cette émission ce qu'a vu notre aumônier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est intervenu avec les pompiers cette nuit-là. Bon. Sans parler de tout cela, nous devons tous être marqués parce que, tout simplement, nous appartenons à la nation France. C'est la nation qui est visée. Hein. Un deuil national parce que c'est la France qui a été visée. Je suis extrêmement frappé, on va reparler de ce thème de la guerre, mais de voir que c'est le mot qu'a employé le chef de l'État. Hier, en sortant du Conseil de défense, le chef du gouvernement, le président du Sénat. C'est aussi le mot, celui de nation, de la France, qui a été blessé, qu'a employé le pape ce matin dans son Angélus. Donc, au-delà, si vous voulez, de la souffrance terrible de ces papas, de ces frères, de ces sœurs, etc., qui sont immédiatement touchés, nous avons conscience que là, ce qui a été visé très clairement, c'est la France, parce que nous sommes Français, demain nous pouvons mourir dans le petit magasin à côté, le restaurant en sortant au cinéma. La nation, c'est un terme un peu désuet, ou qui a longtemps été mis à l'écart, un peu suspecté au fond. Oui, parce qu'il y a eu les abus de ce mot qui avait donné le nationalisme. Voilà, mais il faut aujourd'hui, je crois, maintenant taire ces abus, ces caricatures, évidemment, qui ont été toujours liées d'ailleurs à des idéologies très fortes. On peut penser au nazisme, bien sûr, à la quintessence de l'horreur, et on peut penser, bien sûr, aussi à tous les fascismes. Donc, mû par une sorte d'idéologie, ce qui est magnifique, cette communauté politique. Je rappelle à nos auditeurs, ils le savent, et c'est peut-être pas le moment de faire de la philosophie, mais Dieu a voulu deux communautés pour l'homme qui sont intangibles, sans lesquelles, nous dit le Concile Vatican II, nous ne pouvons pas être pleinement nous-mêmes. C'est la famille et c'est la communauté politique qu'on appelle la nation, pour nous la France, pour nos amis libanais, le Liban, etc. C'est voulu par Dieu, c'est dans la nature des choses, c'est dans l'ordre de création. Il y a un enracinement biblique. Alors, il y a un enracinement biblique. Jésus qui nous dit, de toutes les nations, faites des disciples. Ça veut dire bien sûr au-delà du judaïsme, des juifs, mais il prend aussi les peuples dans leur identité nationale, dans leur vocation. Quand le pape, ce matin, à l'Angélus, rappelle ce mot qui est connu, que Jean-Paul II nous avait rappelé ici, bien sûr, au Parc des Princes, mais France, il nous rappelle, qui est très cher à mon cœur, fille aînée de l'Église. Il nous rappelle, toute notre tradition, que nous avons une vocation collective. Et ce deuil national, pendant 3 jours, il va être marqué, j'espère, par les retrouvailles, les noces, si vous voulez, la rencontre à nouveau avec une identité collective. Être français aujourd'hui, c'est une chance, et nous mesurons que c'est un risque. Simplement parce que je suis français, parce qu'aujourd'hui je suis à Paris, demain je serai à Bordeaux, à Toulouse, etc., je suis susceptible d'être la cible. Monseigneur, je vous propose d'écouter le patriarche Raï. Parmi les nombreuses réactions que nous avons recueillies aujourd'hui, eh bien, il y a celle du patriarche d'Antioche pour les Maronites, dont les fidèles sont présents dans tout le Proche-Orient. Nous l'avons joint au siège du patriarcat à Beyrouth. Rappelons-nous que Beyrouth a été meurtrie par un attentat, le pire depuis 1990, faisant plus de 40 morts et près de 250 blessés. C'était jeudi soir. Voilà ce que nous confiait donc le patriarche Raï. D'abord à Beyrouth, hier à Paris, demain je ne sais pas où, c'est toujours les mêmes organisations terroristes qu'on a voulu soutenir pour des intérêts économiques et politiques. Maintenant, ces feux brûlent partout. Il faut que la communauté internationale prenne sérieusement ses responsabilités et lutte contre le terrorisme et cesser de soutenir les organisations terroristes pour des intérêts économiques et politiques. Nous en avons marre au Moyen-Orient. C'est toute la guerre que nous payons. C'est toutes les gens, d'autres gens qui tombent tous les jours. Il faut que les pays, que les puissances ne cherchent pas seulement leurs propres intérêts économiques et politiques. Il faut mettre fin à cette exploitation des gens vendus pour des intérêts des autres. Et alors c'est un appel, encore une fois, pour que la communauté internationale lutte sérieusement contre le terrorisme. Voilà à l'instant la réaction du patriarche Raï, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Maronites. Alors nous accueillons sur ce plateau Tarek Oubrou, vous êtes grand imam de Bordeaux. Bien sûr, on va vous faire réagir dans un instant. Peut-être Monseigneur Ravel sur le propos à l'instant du patriarche Raï. Le patriarche Raï que j'ai rencontré lors de mes visites des forces françaises qui sont dans le sud du Liban. Ce qui dit a d'autant plus de poids que le Liban vit sous le régime de cette guerre qui dit plus ou moins son nom, larvée déjà depuis des décennies, nous le savons. J'ai moi-même vu à Beyrouth les restes de l'attentat qui a atteint Rafic Hariri, etc. Un entonnoir digne d'un cratère de volcan. C'est considérable, c'est colossal. Et nous pourrons en reparler peut-être dans cette partie ou la troisième partie. Ces Libanais qui savent vivre et qui ont compris une chose, c'est que cette guerre se moque des frontières. Elle se moque des frontières. Donc un pays seul ou même un pays avec ses voisins qui prétendrait aujourd'hui pouvoir faire front tout seul dans son coin, au mieux arriverait à protéger sa petite autonomie pendant un temps. Mais de toute façon, le cancer arrivera toujours à passer par toutes les fissures. Nous sommes des pays ouverts. Bonsoir Tarek Oubrou. Merci encore une fois d'être là. Comment vous réagissez, vous, à la fois à cette... interpellation du patriarche Raï à l'instant. Écoutez, nous passons par un moment un peu particulier dans notre histoire où tout change brutalement. Les repères se déplacent, les certitudes cèdent la place à l'inquiétude et à l'incertitude. Donc on est dans un moment de reconfiguration des identités, de l'interprétation de la religion, la modernité qui ne promet plus le bonheur. Donc cette philosophie du progrès aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc il y a une tentation d'un retour à un passé imaginaire et imaginé, ou bien à un messianisme qui fuit le présent. Donc on est dans cette configuration où l'intrication des peuples, des identités. Tout à l'heure, Monseigneur Ravel parlait des frontières. Il n'y a plus de frontières. Le virtuel se moque bien des frontières. Il y a une intrication des cultures, des religions, des pensées. Donc notre humanité, plus que jamais, se révèle à elle-même dans sa pluralité. Voilà. On découvre l'autre dans une proximité ou bien virtuelle ou bien réelle. Les moyens de transport de plus en plus sophistiqués permettent le déplacement, l'immigration, pour des raisons climatiques ou politiques, eh bien, crée cette interpénétration. Et les frontières politiques sont vraiment dépassées par ce qui se passe aujourd'hui. On est dans un moment de dépassement, d'une certaine manière. On ne réalise pas ce qui se passe aujourd'hui. Tarek Oubrou, je voudrais qu'on évoque ensemble cette question de l'existence, la coexistence sur notre territoire avec l'islam, avec les croyants musulmans. Vous l'avez entendu, il y a plusieurs assaillants qui sont français, des jeunes français, qui tuent d'autres français. Au fond, comment on en est arrivé là? Écoutez, quand le bon sens laisse la place à l'aveuglement, à l'endoctrinement, lorsqu'il n'y a plus d'enseignement de la religion, il y a un endoctrinement, lorsque l'enseignement religieux est remplacé par le recrutement et la manipulation mentale, d'une certaine manière, promettre à des jeunes le paradis par le kamikaze et le suicide, franchement, là, on est dans le degré zéro de la théologie, de la mystique. Il n'y a pas de culture religieuse chez ces jeunes-là qui pensent qu'il suffit de mourir pour Dieu pour découvrir le paradis. Là, il y a un vrai problème. Le phénomène également interpelle tout le monde en même temps, parce que ce sont des enfants de la République. Ils ne sont pas le 100% produit islamique. Il faudrait peut-être rappeler que l'individu n'est pas uniquement... le musulman n'est pas réduit à un code génétique, coranique, tout s'explique par le Coran, loin de là. Et donc ces jeunes-là, ils n'ont pas pu trouver un horizon, un sens pour la vie, donc on leur a proposé un sens de la mort, le martyr. Mais comment est-il possible justement que l'État islamique et sa folie meurtrière puissent attirer ces jeunes ? En offrant ce que la République n'a pas pu offrir à ces jeunes, un horizon, une utopie, un idéal. Il y a aussi une fuite, mais qui passe un par exotisme. La mort, hein. Oui, comme les trotskistes à un moment donné, en quête de cause, d'idéal. Il y a aussi une haine contre la société. Donc Daesh n'est qu'un alibi pour régler ses comptes avec la société dans laquelle il ne se reconnaît pas. Un enfant qui passe toute la scolarité sans se reconnaître dans un récit national, c'est pas normal. Notre civilisation occidentale n'est pas uniquement judéo-chrétienne, gréco-romaine, il est arabo-musulmane. Il faut que ces doses de la civilisation arabo-musulmane transparaissent dans le programme. C'est l'intégration dans la culture, pas la culture, le savoir. Quand vous voyez des jeunes combattre la théorie de l'évolution, sous prétexte qu'il contredit le Coran, mais ils oublient, ces jeunes, que Tansi, Ibn Khaldoun, ces savants musulmans au Moyen-Âge, étaient des théoriciens de l'évolution. Monseigneur Ravel. Oui, moi je crois qu'il faut qu'on distingue de plus en plus, et de façon vraiment très formelle aujourd'hui, deux choses. La première, c'est effectivement une convivialité. Hein, je préfère ce mot, vivre ensemble, voilà, parce que convive, c'est être à la même table, aussi partager les mêmes richesses. Entre les religions, une diversité, aussi bien de peuples, de religions, de cultures, etc. Parce qu'il n'a jamais existé de peuple qui n'ait pas eu de diversité, ne serait-ce que de classe sociale et autres. Nous rêvons sinon. Et puis, ce phénomène très précis que nous appelons la guerre, face à des personnes qui aujourd'hui sont identifiées, en tout cas en tant que organisation, noyau, et aussi en tant qu'idéologie, très clairement, qui aspire, effectivement, comme une étoile noire, aspire tout un ensemble de personnes qui sont peut-être, entre guillemets, plus fragiles. On peut multiplier les causes d'inculture, de goût, de curiosité, de tout ce qu'on veut, de l'ambition, etc. Tout ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous avons d'abord à établir une ligne de front. Après avoir identifié nos adversaires, ça c'est un langage un peu militaire que vous pardonnerez à l'évêque aux armées, n'est-ce pas? Et puis de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement avant de pouvoir, sur du long terme, résoudre d'éventuels et de réels problèmes de société qui se posent, bien entendu. Oui, il y a deux approches. Le traitement symptomatique, donc il faut s'attaquer au mal urgemment, mais il faut s'attaquer également aux causes profondes. La transmutation brutale de notre société, le programme pédagogique qui consiste à intégrer toutes les cultures, une culture d'altérité, le dialogue déjà à l'école, etc. Ça, c'est à long terme. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut tuer le monstre dans l'œuf. Aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Ce travail de culture, il va porter du fruit dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça, je crois qu'il faut... Nous y croyons, et il faudra que la République française tout entière et toutes les forces spirituelles et religieuses, c'est pas simplement culturelles, y travaillent. Mais en attendant, que ce qu'on va faire d'ici 20 ans, face à une armée, le chef de l'État a bien parlé d'une armée de terroristes qui ont plus de matériel que l'armée de terre française. Enfin, il faut mesurer aujourd'hui l'ampleur de notre adversaire. C'est quoi le monstre aujourd'hui ? C'est Daesh, entre autres. Ce sont des groupuscules qui ont été créés à un moment donné pour combattre la Russie. À l'époque, le djihad était fréquentable, les années 70, parce qu'on utilisait le djihad contre le péril rouge. Donc il faut recycler cette violence aujourd'hui qu'on n'arrive pas vraiment à diluer, parce que quand même, on a créé un monstre depuis les années 70 déjà. Et pourquoi il y a cette fragilité qui passe par l'islam aujourd'hui, qui passe par des mosquées? Le ministre de l'Intérieur a redit qu'il souhaitait et qu'il avait engagé des procédures pour... fermer les mosquées, il y avait des prédicateurs. Qu'est-ce qu'il attend? Voilà, il y a le droit, il y a la loi, il faut l'appliquer, parce qu'on ne rend pas service à l'islam en laissant ces gens-là délirer et diffuser le délire et manipuler nos enfants. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut appliquer les valeurs de la République, tout simplement. C'est aussi bête que ça. C'est quoi votre réalité, par exemple, à Bordeaux, très concrètement, vis-à-vis des jeunes? Nos jeunes, la plupart de nos jeunes, c'est comme le reste des jeunes. Hein. C'est la règle, c'est que les jeunes sont dilués dans la société. Là, on est en train de parler de l'exception de l'exception. Donc là, il faut relativiser les choses. Tous les musulmans ne sont pas défilés. Parce que parfois, on a plutôt tendance à désigner les imams en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de vos jeunes ?» Écoutez, les jeunes aujourd'hui, ils s'en foutent de l'imam. Leur imam, c'est cher Google, c'est l'imam Google. Le recrutement se fait à la périphérie. Ce sont des marginaux, doublement marginaux. ils sont à la périphérie de la société, à la périphérie de la communauté. Ils n'ont pas la notion de la communauté. Ils ont la notion de la bande. C'est de la délinquance séculière qui devient une délinquance religieuse. Le substrat est violent avec un vernis religieux. C'est comme pour se racheter de la délinquance, on veut raccourcir et effacer les péchés par une overdose spirituelle, quitte à donner sa vie pour s'affranchir des péchés passés. Nous sommes avec le père Éric de Beukelaer. Bonsoir père. On est en lien par le biais de Skype. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui curé à Liège, autrefois porte-parole francophone de la conférence des évêques de Belgique. Vous êtes chroniqueur dans plusieurs médias et blogueur. On peut rappeler d'ailleurs que deux Belges ont été tués au cours de ces attaques à Paris. Deux Liégeois. Au fil des enquêtes, on a appris que deux des assaillants français résidaient à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que vous pourriez partager depuis la Belgique, depuis Liège, autour de cette question? Comment se fait-il que nos pays puissent abriter de tels réseaux islamistes, au fond? C'est une vraie question. Mais tout d'abord, bonsoir, et je tiens à présenter mes condoléances et ma sympathie à la République française et à Paris en particulier. Nous sommes ici en Belgique très touchés par ce qui vous arrive. Vous l'avez rappelé, deux personnes de la ville de Liège, les curés, sont décédées dans ces attentats et nous sommes par le TGV, par le Thalys, à 1h30 de Paris. Pour nous, c'est vraiment l'horreur qui s'est passée, c'est à nos portes et ce samedi matin, le lendemain des attentats, je voyais la tête des gens ici au centre de Liège. Tout le monde était abattu. Nous sommes vraiment de cœur et de prière avec vous. Alors, nous le sommes d'autant plus que, vous l'avez également dit, l'Europe est une réalité à tous les niveaux, mais c'est aussi l'Europe du terrorisme. On se rend compte qu'une série des terroristes viennent, ou en tout cas ont été accueillis, à Bruxelles, dans un quartier qui s'appelle Molenbeek, et pour l'instant, les nouvelles en Belgique ne parlent que de perquisitions, d'arrestations. Tous les services secrets, en pleine collaboration avec les services secrets, avec les services en tout cas de police de la France, essayent de vraiment faire tout leur possible pour que tous ceux qui sont une menace pour la sécurité des citoyens soient mis hors de nuire. La crainte de l'islamophobie empêche de parler clairement, mais au fond, de quoi s'agit-il? Et puis, on l'a redit encore sur ce plateau, il faut lutter contre le monstre, tuer le monstre dans l'œuf, disait à l'instant l'imam Tarek Oubrou. Mais de quoi s'agit-il et comment passer aux actes concrètement pour vous? Mais d'abord, je salue Tarek Oubrou, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Liège. Nous avons eu un débat ensemble. C'est un homme que j'estime beaucoup et j'ai eu l'occasion et le plaisir de lire certains de ses ouvrages. C'est un grand théologien et c'est un homme parfaitement à l'aise avec la démocratie. Le monstre, la bête... Moi, j'aime bien, j'ai été un temps recteur de séminaire et je disais souvent aux futurs prêtres, aux séminaristes, je dis, vous savez... Nous sommes des vertébrés et pas des crustacés. La tentation du crustacé, c'est de vouloir se créer une carapace dure avec des grosses pinces parce qu'à l'intérieur, on a peur, parce qu'à l'intérieur, on est tout mou. Le fondamentaliste, le terroriste est quelqu'un qui a besoin de se créer une carapace et d'avoir une vision du monde en noir et blanc, en ami et demi, et donc une vision violente, une vision totalitariste, parce qu'à l'intérieur, il est plein d'insécurité, plein d'angoisse. Tout le défi de nos pays, de liberté, de nos démocraties, je dirais même pour nous, croyants, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, tout le défi de l'authentique spiritualité, c'est d'être des vertébrés, c'est-à-dire se construire une colonne vertébrale, une identité très forte, pas une identité molle, une identité très forte, mais intérieure, qui permet justement de se construire une présence au monde qui soit souple, qui soit résiliente, qui soit capable de vivre une convivence, comme disait l'évêque aux armées, avec ceux qui croient différemment, qui pensent différemment, avec des gens de gauche, des gens de droite. C'est cela la force de nos sociétés multiculturelles. Mais c'est un défi, nous vivons dans un monde qui bouge très vite, un monde qui fait peur, et donc le réflexe quand on a peur, ça a été le réflexe des grandes sectes quand j'étais adolescent, Moon, aujourd'hui on parle encore de la scientologie et d'autres, toutes les réflexes de construire des carapaces, c'est parce que quelque part nous sommes dans la peur. Et au fond, ce qu'on peut comprendre à travers ce que vous dites, c'est que ce phénomène de sécularisation, c'est-à-dire d'indifférence vis-à-vis de Dieu, fragilise nos sociétés? Pardon, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'au fond, cette indifférence qui s'installe dans nos sociétés vis-à-vis de Dieu, est-ce que cela ne fragilise pas nos sociétés? En partie, oui. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Une société qui n'a plus une intériorité forte est une société qui, quelque part, va se laisser aller à la peur. Et on ne peut pas construire une société uniquement sur le matérialisme, tout le monde le sait. Si le seul message que l'on donne à nos concitoyens, en particulier aux jeunes, c'est « jouissez, consommez et tout ira mieux », mais l'histoire nous l'apprend, c'est comme ça que l'Empire romain s'est écroulé, on ne tient pas sur du matérialisme. Ce qui fait qu'une société tient, ce sont les valeurs fortes, les valeurs spirituelles. Et donc, il est important que nos sociétés réinvestissent l'intériorité, très certainement. Restez avec nous, Père de Beukelaer. Une réaction, Tarek Oubrou? Je suis totalement d'accord. C'est que le bonheur qu'on cherche, il n'est pas très loin. Une question intérieure... des sondages montrent que les Afghans sont plus heureux que les Français. Pourtant, nous jouissons d'une certaine matérialité dont nous n'avons pas le temps d'apprécier le bonheur. C'est ça le problème. Vous avez la santé, vous ne prenez pas le temps de déguster ce que vous avez déjà. C'est ça la pauvreté, c'est de ne pas pouvoir apprécier ce qu'on a déjà. Et je pense que les religions peuvent apporter ce bonheur qui est accessible, qui ne coûte pas très cher. Et là, on nous mène dans un économisme, cet intégrisme économique qui réduit l'individu à un consommateur. Au Moyen-Âge, on avait affaire à un sujet du roi. Avec l'État-nation, c'est le citoyen. Et aujourd'hui, c'est le consommateur. Ce sont les multinationales qui font l'individu. Peut-être une dernière réaction, Tarek Oubrou. Au fond, est-ce que l'islam doit s'interroger aujourd'hui en France sur ce qu'il... secrète. Toute religion digne de ce nom ne cesse de s'interroger. On connaît bien la théologie scolastique, spéculative, etc. Le problème de l'islam aujourd'hui, c'est qu'il y a un discours sur la norme en abstraction de théologique, du métaphysique et du sens et du mystique aujourd'hui. On est dans un moment de crispation identitaire qui confisque toute une spiritualité qui s'appelle l'islam, parce qu'à l'origine, l'islam était une spiritualité qui s'est mélangée avec l'histoire et à un moment donné, la civilisation a pris la place de cette religion. Tout simplement, on n'arrive pas à sortir de la logique de la civilisation pour s'épanouir complètement dans la spiritualité. Merci beaucoup, Tarek Oubrou, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Dans un instant, on va accueillir à votre place le père Philippe Capelle-Dumont, qui est président de l'Académie catholique de France. Monseigneur Ravel, peut-être une réaction? Une réaction, je crois qu'effectivement, c'est très profond comme analyse. Cette histoire de la carapace, c'est-à-dire tenir par l'extérieur, finalement, quelque chose qui ne correspond pas avec notre personne profonde. Ce qui est notre problème immédiat aujourd'hui de ces heures que nous vivons, c'est que non seulement il y a des carapaces, mais il y a aussi des couperets, il y a aussi des pinces, c'est-à-dire qu'ils cherchent à mordre, à faire mal. Ce n'est pas quelqu'un qui se replie sur lui-même ou de façon corporatiste, identitaire, sur une secte. Ce sont vraiment des personnes qui visent à détruire. Bon. Donc nous sommes là sur une sorte de propension, c'est pour ça que je parle de guerre, que nous parlons de guerre, une espèce de rayonnement du mal... bien au-delà, si vous voulez, d'un repli identitaire, parce qu'on en parle souvent, ils existent, notre société, nos sociétés occidentales sont traversées, c'est vrai, par des corporatismes, des communautarismes, etc. Mais aujourd'hui, il y a un autre défi encore à relever. Alors on va se tourner une dernière fois vers le père de Beukelaer qui est à Liège. Père, au fond, précisément, eh bien, comment, au-delà des mots, comment cela peut-il se concrétiser pour vous, à votre échelle, dans votre paroisse à Liège, plus largement pour l'Église en Belgique, sa contribution peut-être? Écoutez, je pense que d'abord un appel à... Évidemment, nous sommes tous sous le choc Et je crois que la plupart de nos concitoyens ont bien compris que ce qui se dessine, c'est une période de turbulence qui risque de durer un certain temps, et personne n'exclut que d'autres drames arrivent, que ce soit à Bruxelles, à Liège, à Londres, à Berlin, nous n'en savons rien. Ce que l'Église peut rappeler, c'est qu'il faut garder une certaine forme de confiance. Le Christ nous dit « N'ayez pas peur, gardez courage, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Si nous entrons nous-mêmes dans une spirale de la peur, du repli, nous entrons dans le piège que nous tendent les terroristes. Je crois qu'il s'agit évidemment de réagir avec beaucoup de fermeté, parce que ce sont des actes de guerre, comme l'a dit Monseigneur. Il s'agit de répondre à ce challenge qui nous est jeté, mais en même temps, il s'agit de garder la tête froide. Et là, l'Église, elle a un rôle d'abord vis-à-vis de ses citoyens, d'avoir un message de confiance. Le Christ n'a jamais dit que la vie serait sans difficulté. Nous espérons tous avoir une vie paisible pour nos enfants, pour nos familles, mais voilà, les épreuves existent, et ceci est clairement une épreuve et un défi qui est lancé à nos sociétés, à l'Europe, à l'Occident et au monde entier en général, par des gens qui de fait sortent leurs pinces, et d'une manière en plus invisible. C'est du terrorisme 2.0, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils vont frapper. Garder la tête froide, garder la confiance, et puis tendre la main. Il s'agit que les croyants chrétiens entre eux, mais les croyants aussi de toute religion, et puis vis-à-vis de nos concitoyens agnostiques ou athées, qu'ensemble nous redisions que la société dans laquelle nous sommes et de laquelle nous nous sentons citoyens, eh bien cette société-là, nous y tenons. Et je crois que c'est par une force, un calme fort que nous pourrons aussi montrer notre détermination, et avec le temps qu'il faut, nous pourrons vaincre ces gens qui veulent semer la terreur dans une société qui est une société qui, quels que soient nos défauts, l'Occident n'est pas parfait, mais une société qui essaye quand même de distiller des valeurs dont les valeurs du christianisme font partie. Donc je crois, gardons la tête froide, gardons confiance, soyons fermes, mais en même temps tendons la main vers nos concitoyens, ne laissons pas la peur dominer nos vies, parce qu'alors la peur devient un cancer qui nous paralyse, et c'est le piège que nous tendent les terroristes. Il ne faut pas le saisir. Et je crois que c'est ce que l'Église aussi, à sa manière, peut contribuer à faire. Merci beaucoup, Père de Beukelaer. Je rappelle que vous interveniez depuis Liège, et bien sûr, on salue tous ceux qui nous suivent depuis la Belgique. Alors, nous a rejoint sur ce plateau le Père Philippe Capelle-Dumont. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes enseignant en philosophie, théologien. Vous avez longtemps été doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Alors, je voudrais que, au cours de cette émission, nous puissions revenir sur ce terme de guerre. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque, de fait, et vous le rappeliez tout à l'heure, Monseigneur Ravel, le pape lui-même a abordé cette question en disant que c'était une 3e guerre mondiale par morceaux. C'était il y a plusieurs mois, et peut-être qu'on n'avait pas tout à fait compris de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, ce terme, il est dans la bouche de tous nos responsables politiques, mais de quelle guerre s'agit-il? Peut-être on peut commencer avec vous, Père Capelle-Dumont. D'entrée de jeu que nous changeons totalement de logiciel, de paradigme quant au concept de guerre. C'est un concept qui a évolué. Emmanuel Lévinas disait que la Seconde Guerre mondiale était la première grande guerre idéologique. Pourquoi? Parce que c'est une guerre qui procédait par exclusion de groupes. Les juifs, les tziganes, les chrétiens, les homosexuels. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre totale, mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale est une guerre totalitaire. Et alors, elle est idéologique, et précisément, que se passe-t-il aujourd'hui? Elle est idéologique, elle est totalitaire, et elle est mystico-politique. Hitler, le nazi Hitler, procède effectivement par exclusion de groupes, mais en même temps, il conquiert un espace. Il veut conquérir des territoires, l'Autriche, la Pologne, y compris l'Union soviétique. Et aujourd'hui, c'est différent? Aujourd'hui, c'est différent, précisément, parce que la conquête territoriale n'a pas lieu. C'est une autre guerre. Et c'est une guerre contre quoi? Je vous invite à prêter attention au fait que les djihadistes, d'emblée, détruisent l'antériorité. Ils détruisent Palmyre, ils détruisent Korsaba, ils détruisent les manuscrits, ils détruisent les bibliothèques, ils détruisent les tombes musulmanes aussi. Ils détruisent la précédence. Ils détruisent l'histoire, au fond. Ouais. Et bien, ils détruisent aussi, deuxièmement, quoi? L'à côté. Non pas simplement l'avant, mais ils détruisent l'à côté. Les yézidis, les musulmans impies, les juifs, les chrétiens sont visés. Hein? Donc ils visent non pas simplement l'avant, mais l'à côté. Mais nous venons d'apprendre, et nous apprenons de plus en plus, qu'ils détruisent non pas simplement l'avant et l'à côté, mais le futur. On promet à ces jeunes gamins qu'on a vu se faire exploser, qui ont entre 20 et 30 ans, on leur a promis qu'ils auraient le paradis. Autrement dit, qu'il n'y aurait pas d'autre futur que le paradis. Autrement dit, il n'y a plus de futur dans l'histoire. Autrement dit, la guerre qui est menée, c'est non pas une guerre spatiale, de l'espace, mais une guerre contre notre temps. On en veut à notre temps. Et voilà, je crois, ce qui paraît totalement nouveau, qui explique d'ailleurs la puissance de Daesh, qui n'a pas besoin de conquérir de grands espaces, et ce qui explique aussi, si vous permettez d'un mot, l'asymétrie totale de cette guerre. Nous, nous avons des États, eux sont disséminés, y compris chez nous. Donc ils peuvent faire la guerre avec un interne et l'externe. Monseigneur Ravel. Il y a je rejoins ces analyses, il y a deux aspects quand on parle de guerre nouvelle ou de nouvelles formes, de nouvelles guerres. Il faut toujours se rappeler d'abord que c'est une guerre. Et je crois que nous avons un peu oublié ce que c'était qu'une guerre, parce que depuis 70 ans, c'est peut-être une chance à voir. Nous n'avons pas eu sur notre sol métropolitain, en tout cas, une invasion comme cela, des chocs. On a eu bien sûr des catastrophes. Vous douteriez que la paix soit une chance ? C'est-à-dire, je distinguerai la paix et la tranquillité. Ça, nous pourrions y revenir. Et une de mes craintes, c'est que justement le soufflet ne retombe. Alors, je pense qu'avec quand même, il y aura certainement 150 morts au moins, on va arriver à cela d'ici demain ou après-demain, 300 blessés très graves, etc., des milliers de traumatisés. Je pense que quand même là, la leçon aura été bonne. Mais je n'arrête pas de dire depuis le 8 janvier 2015 que le risque principal, ce n'est pas d'avoir peur, contrairement à ce que beaucoup de mes confrères ont dit. C'est vrai, être terrorisé, être pris dans la spirale de la peur, donc de la violence, serait en effet donner du jeu à l'adversaire, mais c'est de ne pas avoir assez peur. Si nous parlons de guerre, quelle que soit la nouveauté de sa forme, en effet, qui ne procède plus par front comme en 14-18, ni par invasion ou débarquement comme en Seconde Guerre mondiale, nous avons néanmoins affaire à une guerre, c'est-à-dire que la menace devient persistante, constante, à la limite encore davantage qu'en 14-18, parce que quand on était loin du front, parce qu'on ne sait pas très bien où identifier au fond, c'est totalement diffus. Or, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que nous sommes là, ici simplement, aux Français ou ailleurs, hein, l'opération Barkhane, au Mali, au Burkina Faso, que nous sommes visés. Et même au-delà de la France, d'autres pays, etc. Après, c'est une vaste question de savoir contre qui est cette guerre. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que moi, ma crainte, et je le partage ici en direct devant les auditeurs, ce n'est pas tant aujourd'hui qu'on soit littéralement aspiré par une peur, et une peur nationale qui nous ferait faire n'importe quoi. Oui, attention, soyons prudents, en particulier voilà, à des actes d'intolérance, de méfiance, de tout ce qu'on veut, etc., mais qui seront rapidement dépassés par la solidarité des mains tendues. Moi, ce que je crains, c'est qu'à nouveau, après 70 ans d'addiction à la tranquillité, nous ne soyons incapables de vivre sous un régime autre, aujourd'hui l'état d'urgence, peut-être demain l'état de siège ou l'état de guerre, que les Libanais, nous parlions tout à l'heure du patriarche Raï, connaissent par cœur. On continue de vivre, oui, mais autrement, d'une autre façon. Que voulez-vous? Moi, maintenant, j'ai des amis, etc., femmes, etc., qui se promènent dans le métro habituellement. Bah, je crois que tout le monde va devoir aujourd'hui rectifier un petit peu ses attitudes. D'abord personnelles, attention, qu'est-ce qu'il y a comme violence dans mon cœur? Et puis, à l'extérieur, des choses que nous avions complètement oubliées. Et c'était très bien. Mais, excusez-moi de parler de l'addiction de la tranquillité, c'est qu'il va nous falloir aujourd'hui, et ça va nous prendre plusieurs mois, réapprendre à vivre sous un climat d'insécurité qui, encore une fois, n'est pas ponctuel comme peut l'être une bande armée qui s'attaque à une banque, c'est voilà, c'est localisé dans le temps, dans l'espace, ça va être diffus. Il faudra apprendre à vivre comme homme et comme chrétien, et nous le pouvons, grâce à la révélation biblique et à la force de l'esprit, sous un régime autre qui, effectivement, tant mieux pour nous, nous a été épargné pendant 70 ans. Mais ce discours-là, il est finalement assez anxiogène, ou même très anxiogène, c'est ce qu'on pourrait vous... c'est la critique qu'on pourrait formuler, au fond. Oui, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais dit « n'ayez pas peur », je dis simplement que nous allons apprendre à vivre sous un régime de vie, de solidarité, d'amour, de bonheur, mais avec cette espèce de violence et de peur qui jusque-là était banni de notre horizon. Oui, Monseigneur Ravel tout à l'heure a employé un mot très important, il a employé le mot convivialité qui est infiniment plus fort que le mot coexistence, précisément car le mot convivialité appelle la polarité de la lucidité aussi, hein, et donc pas simplement la tranquillité. Or, on peut relire, faire notre examen de conscience collective, hein, et examiner comment nous avons concédé intellectuellement beaucoup de choses. Sur le rapport aux versets religieux, sur les prédications, alors aux politiques de faire son travail, bien évidemment, mais à nous, philosophes, d'établir un certain nombre de rapports et de concepts. Par exemple, le concept de nation. C'est un très beau mot, le concept de nation. Et qu'est-ce que nous en avons fait, y compris en christianisme? Je rappelle quand même que Jean-Paul II a défendu les nations. Même Renan, d'ailleurs, définissait la nation comme quoi ce qui unit le passé et le présent. Alors, je fais la connexion avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que la nation, par essence, c'est une communauté dans le temps. Ça ne se définit pas par une race, par une supériorité, par une classe sociale, mais c'est une communauté dans le temps. Et c'est très métaphorique. Je voudrais simplement vous faire observer qu'on a affaire à une tension entre un État et une nation, l'État islamique et une nation. C'est un État sans nation. Et nous, la nation, précisément, est menacée en tant que communauté. Alors, la nation, ce n'est pas l'État et ce n'est pas non plus le nationalisme. Et donc, je pense qu'il faut nous réapproprier un certain nombre de concepts comme cela. Et donc, lorsque nous, Monseigneur Ravel nous invite à d'une certaine manière, sortir de l'addiction de la tranquillité, il faut que le concept de paix, précisément, soit aussi un concept qui se réapproprie le concept de nation. Alors, pourquoi je dis simplement… Mais comment on se le réapproprie? Eh bien, tout simplement parce que la sphère politique est un lieu de décision autonome des citoyens, n'est-ce pas? Et il faut que nous, chrétiens, nous sommes porteurs non pas d'une séparation, mais d'une distinction entre le religieux et le politique. Ce n'est pas une séparation, précisément. La distinction Dieu-César veut dire simplement la dédivisation du politique, mais en même temps, elle invite à penser les connexions intimes entre le religieux et le politique. Or, nous ne l'avons pas fait. Je pense que là, il faudrait totalement retravailler la question de l'inspiration chrétienne du politique et de la nation. Faute de quoi d'autres s'annexeront ce vocabulaire, et je crains que là, nous n'ayons un travail, que nous n'ayons pas fait ce travail, et que l'examen de conscience fasse obligation auprès de nous. Moi, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que la notion de paix, bien sûr, commence dans le cœur, on en est tous convaincus en tant qu'hommes, déjà, et personnes spirituelles, nous allons dire, mais que ça nous remet immédiatement devant cette réalité, cette communauté politique qu'on appelle la nation, la patrie, voilà, à vraiment contre-distinguer des républiques. On parle beaucoup de la République, je me sens à l'aise dans cette 5e République, mais il y en a eu quand même 4 avant, pour parler de la France, et puis des empires qui sont venus s'intercaler. Donc, je pense que nous allons réapprendre à vivre très profondément, non pas guidés par la peur, mais guidés par l'Esprit Saint, sous un régime, aujourd'hui, différent, marqué, c'est vrai, par moins de tranquillité, parce qu'après tout, quand on voyait nos soldats combattre en Afghanistan, on se demandait pourquoi ils y étaient. Quand on les voyait, on se disait, oh là là, ils coûtent si cher que ça, 500 millions pour nos opérations extérieures, etc., parce qu'ils étaient en train de lutter contre les mêmes, sous un autre régime. À Tombouctou, ils ont détruit toutes les bibliothèques, etc. Bon, on s'étonnait. Bon, aujourd'hui, tout ce qui nous apparaissait comme lointain sur une ligne d'horizon survient chez nous et nous sommes en train de réaliser de façon extraordinairement douloureuse cette chose. Donc je ne dis pas n'ayez pas peur au sens où le Christ lui-même a été fortement angoissé face à sa passion elle-même. La souffrance ne peut que nous faire peur. Comment voulez-vous que je sois rassuré aujourd'hui quand je vois mes neveux, mes nièces qui sont dans la rue, qui sont tout seuls dans le métro, qui sont etc. Alors qu'ils ont envie de vivre, ils débordent de vie. Je suis obligé de dire, nous allons réapprendre la vie et peut-être la solidarité. Je vous donne cet exemple encore cet après-midi, fin d'après-midi, au moment où il y a eu ce mouvement de panique à la République sur les lieux, etc. J'avais des amis qui étaient au 7e étage, qui y ont assisté, qui ont cru que ça recommençait. Ils ont vu toutes les portes s'ouvrir, les gens dire rentrez, 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 mettez-vous à l'abri à l'intérieur. La solidarité. Ce n'est pas que négatif de vivre sous le régime de la violence. D'accord pour les forces de l'esprit, qui sont, je crois, mobilisables et doivent être mobilisées beaucoup plus fortement que les forces physiques et militaires. Je ne pense pas qu'on s'en sortira. Alors, les forces de l'esprit, c'est quoi? C'est les forces de l'intellect, bien sûr. Il faut que nous ayons une lucidité massive, notamment pour faire des corrélations entre les actes et l'arrière-plan idéologique. Il faut le faire. Bon, c'est aussi, la force de l'esprit, c'est aussi une dimension du cœur. Alors, nous avons dans l'Évangile un certain nombre de textes qui pourraient nous prêter à une sorte de gentillesse immédiate, genre aimez vos ennemis, quand on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite. Bon, attention, aimez vos ennemis, Jésus dit effectivement, aimez vos amis, tout le monde sait le faire. Bon, Que veut dire en cette circonstance aimer vos ennemis, hein? Je pense qu'il faudrait, tout à l'heure, l'imam Tarek Oubrou, à la question que vous lui posiez, disait ce qui manque, ce que recherchent les jeunes, c'est ce que la République n'a pas su leur donner. Alors, on voit bien qu'on change de registre là. La jeune génération est une génération qui exprime comme toujours un besoin d'absolu radical. Autrement dit, nous n'avons pas réussi à divulguer le sens d'une transcendance à cette jeune génération. Je pense qu'il faut aller jusque-là. C'est un mot un peu compliqué, j'en conviens, que transcendance, mais c'est-à-dire la capacité de s'auto-dépasser. Et malheureusement, le consumérisme, la consommation ne suffit pas à installer cette idée auprès d'eux. Mais précisément, face au mal aujourd'hui, la nature, c'est peut-être un combat spirituel, non ? Pardonnez-moi. C'est un combat spirituel, là. Il s'agit là d'un combat spirituel. C'est un combat évidemment spirituel, il s'agit en effet de conquérir les forces de l'esprit. Le christianisme invite à agir, mais dans l'amour du monde. Ça, c'est une décision, c'est une éducation qui doit être faite auprès des jeunes. L'absolu n'est pas contradictoire avec l'esprit, avec le monde. Le Christ s'est incarné par amour pour le monde. Et je pense que l'absolu dont le chrétien est dépositaire doit diffuser cette idée dans la mesure où elle est axiomatique, axiale. Et c'est une, je crois, en tout cas, c'est un pivot de l'évangélisation, j'en suis absolument convaincu. Vous voyez, je pense au centenaire de la Grande Guerre. Alors on a l'impression effectivement que je m'éloigne beaucoup de ce que nous vivons, mais pas du tout. C'est une toute autre forme de guerre, bien entendu. Nous sommes en 2015, on va 2016. Et il faut se rappeler que 2016, c'est Verdun, c'est les batailles de la Somme. Ce sont des centaines de milliers de jeunes qui meurent, des papas, des maris, des fils, etc. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que c'est que du négatif? Mais j'aime à dire, dans mes conférences sur le centenaire, on a... Le rayonnement d'une sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, c'est fait dans les tranchées, par les militaires. Les militaires doivent énormément à sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, hein, de Lisieux, mais sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus doit énormément aux militaires. Jeanne d'Arc, n'en parlons pas. Hein, la redécouverte de Jeanne d'Arc, sa canonisation en 1920, etc. La dévotion au Sacré-Cœur. Donc c'est dire le nombre de personnes dont les aumôniers militaires ont été témoins dans leur carnet, qui ont retrouvé la foi, etc. Bien sûr, ce n'est pas le même régime, c'est pas la même guerre. Mais ne croyons pas que la paix dont parle Jésus, je suis venu vous donner la paix, correspond avec cette tranquillité dans le désordre. Là, je plagie un petit peu Saint-Augustin pour ceux qui le connaissent. Vous voyez, vous avez eu il y a quelques jours la mort d'un grand bonhomme qui s'appelait René Girard. Peut-être dans des textes un peu compliqués pour nos auditeurs, mais tous ceux qui aiment ou qui ont connu René Girard, il a parlé de la violence et du sacré. Il a montré en quoi on ne pouvait pas parler décemment du christianisme sans parler aussi de son mystère centrale, la croix, c'est-à-dire le mystère de la violence qui est assumé par un amour qui va au-delà. En vous écoutant, je pense aussi à tous ceux qui sont déboussolés, qui sont très perturbés, angoissés par cette situation que nous vivons dans notre pays, et on l'a bien compris, qui s'étend bien au-delà de nos frontières. Au fond, quelles sont les armes qu'on peut employer très concrètement? Et à vous écouter aussi, on comprend qu'il s'agit aussi d'une dimension très personnelle. Moi, je crois qu'il y en a de trois sortes. Il y a d'abord les armes de fer. Et ça, ce sont nos militaires. Et nous recrutons, et nous allons avoir besoin de recruter, de former. C'est triste, mais enfin, toute la théologie de l'Église nous parle, à partir de Saint-Augustin et même auparavant, de la guerre juste. C'est-à-dire, il y a des moments où, pour se défendre, on est obligé d'avoir des services de renseignement, etc. Et puis, je crois qu'il y a une attitude personnelle intérieure de tout citoyen, comme je le disais, plus de solidarité, on se rapproche, on est un peu plus prudent, on ne tombe pas dans la spirale de la violence et de l'intolérance, mais quand même, on requalifie, on reconforme sa vie. Enfin, si on est croyant, eh bien, on se met aussi à utiliser ce que saint Paul lui-même appelle les armes de lumière. L'expression se trouve chez saint Paul, qui compare souvent les forces, les vertus, la foi, l'espérance, la parole de Dieu, la prière, etc., aux armes du gladiateur. Et ça, chacun de nous, nous pouvons prier, réciter le chapelet, se retrouver avec son voisin. Les assemblées, les défilés ne sont pas autorisés, c'est pas grave. On se retrouve chez soi, on prie, on combat, parce qu'il y a derrière un enjeu d'une guerre profondément spirituelle, en l'occurrence idéologique. On arrive au terme de cette émission. Je suis encore d'accord pour le principe de la guerre juste. Dans le christianisme, il n'y a de guerre juste que lorsqu'il y a légitime défense. Et nous sommes en légitime défense. La deuxième chose, c'est, je crois, que ce qui nous manque, c'est un principe de reconnaissance. Nous sommes dans une société fragmentée à qui il manque un principe de reconnaissance. Tant que nous n'avons pas ce principe de reconnaissance, nous ne pouvons pas vivre ensemble la diversité. Alors ce principe de reconnaissance, à tous les niveaux de la vie civile, de la vie sociale, il faut la trouver. Ce peut être pour certains dans la vie politique, dans la République, et ce peut être pour les chrétiens, en tout cas, la personne du Christ elle-même. Ce qui nous manque, je crois, c'est ce principe de reconnaissance qui permet de faire en sorte que les fragmentations disparaissent au bénéfice des diversités. On perçoit bien que ces attentats touchent au tréfonds de la nation, et peut-être ce sera le mot de la fin, monseigneur Ravel, vous l'avez dit, les chrétiens aiment la paix mais savent vivre en temps de guerre. Alors cela peut surprendre parce que peut-être beaucoup de chrétiens qui nous suivent se disent mais non en fait, je ne le sais pas. Eh bien c'est-à-dire qu'il y a un livre qui est peut-être effectivement difficile à interpréter, à comprendre, qui s'appelle le livre de l'Apocalypse. Et bien même simplement les évangiles. Nous sommes à la fin de l'année liturgique. Nous avons des textes d'ailleurs très difficiles à commenter dans nos homélies de messe dominicale, où Jésus parle justement de ces fléaux, de guerre, de tremblements de terre. Et le livre de l'Apocalypse nous parle de trois fléaux, pas simplement de trois maux, mais parmi tous ces maux qui nous atteignent, les misères, etc., il y a trois fléaux. À travers les trois chevaux de l'Apocalypse, d'abord il nous dit, il y a le cheval blanc, c'est le Christ. Il a vaincu, il viendra vaincre encore. Donc ça, c'est notre fondamental, notre message d'espérance qui nous permet de tenir debout sous le joug de ces trois fléaux, à savoir le fléau de la peste, c'est-à-dire les maladies endémiques, n'est-ce pas? Le fléau de la famine, hein, voilà, il n'y a plus de pain pour manger, etc. Combien encore de dizaines de millions d'enfants qui meurent chaque année de faim, il faut en avoir conscience. Et puis le fléau de la guerre. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas lutter contre ces fléaux avec toutes les forces de la science, de la médecine, de la prière, mais il faut savoir que nous pouvons vivre en chrétien profondément et peut-être encore davantage réveillés par la violence autour de nous sous ce joug de ces trois fléaux qui souvent se conjuguent parce que la guerre entraîne le choléra, la maladie qui entraîne la famine, etc. Si ce n'est pas immédiatement sur notre sol, encore une fois, la guerre devant laquelle nous sommes ou dans laquelle nous sommes aujourd'hui se moque des frontières, elle passe par le numérique, elle atteint les consciences et ça nous concerne tous. Voilà, on retiendra en tout cas que ce cheval blanc, c'est peut-être celui-là vers lequel nos regards doivent se tourner, le Christ. Absolument, absolument. Il a vaincu par sa puissance de sa mort d'amour et la puissance de sa résurrection. Il est clair que si nous n'avons pas ce point fixe, hein, cette étoile polaire vers laquelle nous pouvons tourner les regards aussi, alors nous craignons la guerre parce que nous ne savons pas à l'avance comment nous, personnellement ou collectivement, nous allons nous comporter, mais sachons que nous avons un socle fort, c'est ce cheval blanc. Il a vaincu, il viendra vaincre encore. Merci beaucoup, merci à tous nos invités d'être venus pour leur contribution au patriarche Raï, à l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, au père Éric de Beukelaer, que nous avions tout à l'heure en direct depuis Liège. Merci beaucoup à vous, père Philippe Capelle-Dumont, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et à vous, monseigneur Luc Ravel, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes évêque aux armées. J'en profite aussi pour saluer le travail des équipes de KTO mobilisées pour vivre avec vous ces heures difficiles. Vous pouvez retrouver nos émissions, les rendez-vous de ce week-end sur notre site internet. Demain, bien sûr, sur KTO, nous vivrons ensemble à midi 7 minutes de silence au cours de ces 3 jours de deuil national.